Alors, c'est le nouvel épisode du bricoleur de l'extrême. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une lampe. Alors avant tout, bonjour. Alors c'est l'épisode 10. Et alors, voilà. Vous voyez, c'est une lampe très normale que j'ai peinte. Alors, ce qu'elle a de particulier, alors on va allumer, tac. C'est que quand on penche de côté, elle s'allume. Alors je sais, c'est pas très au point, ça clignote des fois ou pas. Et ce côté. Alors, pour vous faire voir comment ça fonctionne, on va démonter et après je vous ferai voir le schéma et c'est gravé. Ce sera mieux. Alors, vous voyez, vous avez les plaques. Là, du polystyrène, là c'est la barre. Là, c'est les plaques. Et pour pas que ça touche, pour que ça fasse un système d'interrupteur, vous voyez, il y a un tout petit espace. Hein. Alors, quand la bille passe, c'est ce que ça fait, que ça fait contact de chaque côté. Et cet interrupteur qui est là, et ben, il coupe carrément tout. Voilà, après il y a les LED qui sont reliées. Alors, maintenant je vous montrerai le schéma. Ça sera plus simple à comprendre. Alors, il y a le schéma sans interrupteur ou avec interrupteur. Alors, attendez que je cherche la page. Voilà. Alors, je vais zoomer. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir là, il y a le système de billes, comme je vous ai fait voir là, que ça s'arrête. Paf, ça passe. Après, là, ici, il y a l'autre LED. Là aussi. Là. Et en tournant, c'est ce qui fait faire un système d'interrupteur. Alors, là, j'en ai pas mis, mais on peut en mettre. Et le moins, il est là, et là, c'est le moins de la LED de chaque côté, et c'est ce qui fait fonctionner. Après, il y a un système, mais. Avec interrupteur carrément intégré. Alors comme vous pouvez le voir ici là, je sais pas si vous voyez très bien, là, il y a un creux et c'est fait pour que la bille s'arrête quand on fait ça. Et voilà, c'était mon dernier épisode. Allez, au revoir et abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir.